Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Et voici donc l'Uruguay contre la France. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Hello Grégoire et hello à vous aussi chez vous. C'est parti pour cette rencontre. Et il y a du beau monde sur la pelouse. Qui faudra-t-il surveiller selon vous? Je pense à Edinson Cavani. Il a tout cet attaquant. Puissance, vitesse, technique. C'est un vrai travailleur. Voilà, tête plongeante. Bonne tête plongeante. Mais ça ne rentre pas. Il s'est vraiment jeté sur celle-là. Il manquait juste un petit peu de précision. Il y a quelques signes prometteurs de leur côté en ce début de match. À eux d'en profiter maintenant. Bien joué. Kanté, repiqué dans l'axe peut-être. Tolisso qui cherche une solution. C'est joué. Il prend sa chance. But, but pour la France. Et le voilà, le premier but dans cette rencontre. Allez, votre analyse Darren. C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. L'Uruguay, ils sont déjà menés dès les premières minutes de cette grande affiche. Godin qui tente une passe longue. Jiménez, un ballon intéressant. Ça manque un peu de solution. Oh, le petit ballon piqué. Pas de hors-jeu, il y va. Ce sera 6 mètres pour le gardien, je crois. Bien joué ce tacle. À la régulière, il est battu, joli tacle. Et ils essaient de repartir de derrière. Ils jouent en profondeur. 6 mètres. Cavani qui a un peu d'espace. Bien servi. Vecino. Il tente de la jouer dans l'espace. La tentative. Oh, le gardien est là. La classe. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. De tir, il manque son dernier geste. C'est incroyable. Pour trouver la faille dans la défense. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison. C'est un véritable cauchemar de défendre sur lui. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il allonge. Passe en profondeur. Ah, dommage. C'est déjà la pause. J'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs entrent en action. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et ils méritent de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'ils continuent comme ça. Un seul petit but d'écart entre les deux. La seconde période est lancée. Voyons ce qu'elle nous réserve. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. Magnifique.
projeter un peu plus pour être dangereux. On dirait qu'ils se méfient de la vitesse des attaquants adverses. C'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing à votre avis? Oui, parce qu'une petite passe en plein milieu peut faire beaucoup de mal. Cavani, dans la profondeur. C'est bien donné. Le monde allait jusqu'au bout. L'Uruguay qui cherche l'ouverture. Le bon jaillissement. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Et à ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si? Non, c'est bien vrai. Il peut frapper là. Et il trompe le gardien. Yes, 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 yes. Le break est fait, 2 buts d'écart désormais. C'était une volée extraordinaire d'équilibre. C'est sans doute l'un des gestes les plus compliqués à réaliser, mais il a parfaitement dominé son ballon. La France vient peut-être de se mettre à l'abri. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils ne peuvent pas venir. Il choisit la profondeur. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. C'est joué long. En voici Cavani. Que ça va partir vite. Griezmann. Ouverture vers le poteau de corner. Belle intervention de la défense sur ce coup-là. Il y avait danger derrière. Oui, mais il a joué un peu trop. Quelle occasion, attention! Long ballon dans le sens du jeu. Oh, Luis Suarez. Cavani. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Et voici Giroud. Oh, quel geste! Et ce ballon encore écarté. Il domine carrément en ce moment. Il s'est passé tout près, 2-3 fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Oh, c'était pas loin. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Ça y est, les 3 coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. Oh, quelle belle performance de leur part aujourd'hui. Franchement, c'est régalé à commenter cette rencontre. C'était vraiment un superbe spectacle. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Ce but en début de match leur a fait beaucoup de bien. Ils ont pu jouer plus libérés après ça. Et ça se reflète forcément dans le score final. On doit se quitter maintenant. Merci Darren. Et merci à tous, surtout d'avoir suivi ce match avec nous.